Comme tout le monde, 16 exécutants pour une nouvelle vidéo, donc pour un nouvel épisode de Survival Craft. Donc voilà, on est parti. Donc, comme vous voyez, la dernière fois qu'on a filmé, c'était une semaine. Voilà, donc vu que je fais un épisode par semaine, c'est logique. Du coup, ça va durer très longtemps la série si je fais qu'un épisode par semaine, c'est pas grave. Ah oui, la dernière fois, je me rappelle, on avait trouvé une grotte. Bon, on voulait remonter au-dessus. Donc, comment faire? On va casser ce bloc de dirt, tout simplement, et on va remonter le long de la source, je pense. Ah, c'est compliqué là. Attendez. Ok. Non, vite remonter. On est quelque part. On est quelque part. On est bloqué dans une espèce d'endroit bizarre. Alors, il faut qu'on casse cette putain de pierre pour pouvoir se poser. Hop. Ah. Oh. Ouf. Bon. Alors. On continue notre petite escapade. Hein. Mais du coup, moi, je vais perdre ma maison si je fais ça. Bon, je crains qu'il va falloir que je fasse demi-tour. Allez, on va mettre une torche là. On va juste récupérer le fer qui se niche ici. Parce que c'est toujours du fer. Et on ne creuse pas dessus pour le moment. C'est sympa le fer. Oh, dis donc, en fait, je viens de remarquer que les commandes viennent de se désactiver. Il n'y a plus commande mix d'activer. Ça, c'est con, ça. Ah, il n'y a plus les rations pour sauter. Bizarre. Voilà. Parfait. Bon. Bah ça m'a pas gêné plus que ça, puisque je m'en suis même pas rendu compte. Bon, bref, c'est pas grave. Alors. Ouh là là. Déjà, c'était où qu'on était avant? C'était où qu'on était tombé, nous? Ah, c'était là. Non. Descends. Descends, please stop. Descends. Bon, on va rebousser cette merde. Merci gaiement. Voilà, il n'y a plus d'eau. Toute l'eau s'est évacuée. Ah, bon. Aujourd'hui, on va encore miner. Voilà, on a beaucoup d'épisodes où on va miner, je pense. On va vite prendre le charbon ici, d'un autre côté, parce que bon, voilà. On avait dit que quand notre pioche se cassait, je crois qu'on faisait demi-tour. Oh putain, attendez, il faut se récupérer ce charbon quand même. Ou c'était quand la prochaine pioche se cache. Quand la prochaine pioche se casse. Putain. Ah non, c'est quand celle-là se casse. Bon. Du coup, on va pas faire beaucoup de choses encore ici. Hop. Du charbon. Faut prendre un maximum. Ça fait de l'XP. Puis, c'est utile le charbon. Faut pas me dire le contraire. Hop. 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 Alors oui, aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis un peu plus mou que mes autres épisodes. Tout simplement parce que je suis un peu plus fatigué, je pense. En tout cas, bah moi, ça peut aller, hein. J'espère que vous, ça va. Du coup, bah voilà, j'ai repris les cours normales et tout. Bon, ça fait longtemps que j'ai repris des cours, tu vas me dire, mais bon. Bref. La dernière fois que j'ai filmé un épisode, bah, je venais à peine de reprendre. Là, ça fait plus d'une semaine. Bon, c'est toujours aussi chiant, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Ah, j'ai l'Arc Meteor sur Black Ops 3. Tout cool, je l'ai eu il y a pas si longtemps, hein, mais bon. Voilà. Donc, on va faire la technique de la torche. Jusqu'à la pioche va péter. La technique de la torche, c'est quand tu poses une torche, et bah, tu vas jusqu'à l'endroit où tu ne peux plus voir pour savoir quand tu vas t'arrêter de miner. Parce que moi, je suis un mec qui est du genre à me dire. Ah mais faut que je continue à miner parce qu'on sait jamais si derrière le bloc là il y a du diamant tu vois. Donc tiens c'est nouveau ça. C'est quoi ça? Crochet. Bouton. Ah c'est nouveau tout ça. La dernière fois que j'ai joué à un jeu il n'y a pas ça. Bon, le mec, il découvre les trucs au fur et à mesure. Bref. Et donc voilà, moi je suis le genre de mec obstiné, tu vois. Le mec obstiné. J'ai pas trouvé de diamant, je continue à miner, je m'en bats les couilles. Bon bref, alors, on va faire la technique de la torche donc. On va miner jusqu'à ce qu'on soit dans le noir complet et on va faire du tour. Attendez, je rabouche ça, j'ai pas envie de me casser la gueule. Ici aussi d'ailleurs. Hop. J'ai une petite voix. Bon. Là du diamant. Oh, très magnifique, hein. Mais non. On voit plus rien. On fait demi-tour. Du coup, nous allons miner dans l'autre sens. Nous avons encore une grande route à accomplir. Une goutte d'eau qui tombe. Chiant. Bon, allez, on continue. Ouais, qu'est-ce que je pourrais dire?
Moi, je trouve ça toujours sympa de faire des petits épisodes sur Minecraft, ça détend, ça change. C'est pas que, comme si tu faisais du Call of tout le temps, c'est bien. Ou du Clash of Clans tout le temps, tu vois, ça change. Hein. Parce que je me suis pas mal diversifié dans le Clash of Clans, parce que non, je faisais que du Call of. Et enfin, que non, j'ai fait un peu de Far Cry, etc. Avant, j'ai fait un peu de Minecraft, mais bon. Oh, attendez, ça sent la grotte. Je sens que c'est par là. Bref, et donc ouais, je m'étais un peu diversifié, mais vite fait, tu vois, c'était pas diversifié comme maintenant. Maintenant, je fais vraiment beaucoup de Clash, même plus que Call of. Je sais pas encore que les bruits viennent de là. Ça sent la faille. De l'invocateur, lol. En plus, j'ai dit lol direct après, tu vois, j'ai même pas fait exprès. Yes, jackpot, est-ce que ce serait une grotte? On a bien fait de pas faire trop demi-tour. En tout cas, voilà, je me suis pas mal diversifié grâce à Clash, Off, Clan. Non, niquez vos mères, niquez tous vos mères. Niquez vos mères, niquez vos mères. Alors toi, espèce de pute. Oh putain, j'ai mon épée. Ok. Round 1. Fight. Merci. Oh, Wiedersehen. Bon. Ça me semble risqué comme endroit. Alors, je sais que de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de donjon, mais non pas y aller tout de suite, simplement parce que. Déjà, je déteste quand tu as le. Mes écouteurs et j'entends les vieux bruits des araignées qui marchent, genre vieux bruit dégueulasse. Déjà, j'aime pas du tout les araignées en vrai. Alors, en plus, avec le vieux bruit à fond. Les écouteurs, là, c'est dégueulasse, vraiment dégueulasse ces araignées. Comment on peut aimer cette bestiole? C'est dégueulasse. Oh, tu déboules cette pute! Laisse-moi prendre mon épée, salope. J'ai eu peur. J'ai eu très peur. C'est vraiment dégueulasse ces bestioles. Comment on peut aimer cette bestiole? C'est dégueulasse. Ah, j'aime pas. Perk, perk, perk. C'est moche. C'est moche, c'est vraiment moche en plus comme bestiole. Comment on peut aimer une araignée? Bon, les araignées qui regardent cette vidéo seront tristes. Il n'y aura pas d'araignées qui regardent la vidéo normalement. Oui, vous allez me dire que je suis un peu fou, ce qui n'est pas faux. Mais bon. Du coup, il est temps de se faire un peu de stuff. Parce qu'on a des araignées qui nous tombent dessus, donc on se dit bon, c'est peut-être temps de se faire un petit peu de stuff. Hein. On avait dit qu'on gardait le fer, mais finalement, sachant qu'il y a l'air d'avoir un espèce de donjon là-haut, je me dis qu'une petite armure en fer ne fera pas de mal. Attendons, on va un petit peu explorer par là. Un petit bonhomme de chemin. Oh, c'est sympa d'avoir trouvé une grotte. Mais j'espère qu'on trouvera des bonnes ressources, dont du diamant. Bon, je crois que je rêve un peu, mais oh, du charbon. Merveilleux. C'est pas comme si on avait des stacks entiers. Non, rigole. Non, j'en ai même pas des stacks entiers, donc autant le ramasser. En plus, ça fait de l'XP. Ce sera bien utile pour la suite. Surtout si je le fonde un masse de stone brick pour faire des bâtiments, construction. Ah oui. Il faudra le faire, d'ailleurs. On n'est pas encore aux constructions, hein. On est encore dans le moment de survie, il faut faire un bon stuff, trouver un bon endroit pour construire. Le reconstruire, c'est pas vraiment un souci, à la limite, je peux construire n'importe où, hein. Sur un marais, sur une montagne, en plein milieu de l'océan, tu t'en fous, tu peux faire un style, hein, avec tout. Parce que sur une montagne, tu peux faire bah, un village à flanc de montagne. En pleine mer, bah, tu peux faire un village sur pilotis. Voilà, donc tu peux faire vraiment partout sur une plaine, bah, tu fais un village sur plaine, voilà, c'est le moins compliqué, je pense. Mais bon, moi j'ai envie de me casser la nénette et de faire des belles constructions, donc voilà. Après, je suis pas un expert niveau déco, surtout design, hein. Donc ouais, ce sera des constructions, je vais essayer de les faire le plus possible, mais ce sera pas un truc de ouf, hein. Vous attendez pas à un niveau d'architecture malade mentale. Je suis pas Roi Louis, je suis pas Stefano, je suis pas. Toutes ces personnes-là. Alors attendez, qu'on mette notre stuff dessus. J'ai quoi déjà comme stuff? Ok, il me faut jambière plastron. Plastron, j'ai pas assez, je crois. Non, je sais pas assez. Du coup, il me faut quoi? Qu'est-ce que c'est bon? Il me faut les bottes de 7 lieues. Nous sommes déjà quasiment à la moitié de l'épisode. Et nous avons que s'y faire. Il faut attendre que ça cuise. Hop. Lol. Alors là, c'était vraiment la pire blague que j'ai faite depuis. Wow, longtemps. Longtemps, longtemps. Quand même récupérer les torches parce que bon, en fait, économise-nous. Donc ça fond, je récupère les torches. Viens là la torche. Je vais pas casser la pierre, moi.
Eh, torche, c'est bon. Alors, oh, j'ai entendu la PNJ, j'ai l'impression. Plastron, plastron, plastron. Plastron. Et ça, c'est fait. Ça, désolé, merci, tu nous as servi. Au revoir. La petite, on prend l'épée en fer. On prend du fer dans le four. On n'a que de fer. On va laisser un petit peu fondre vite fait. Au pire, je le ferai en 9. Et on est parti. Là, vous attendez vraiment des PNJ. On va aller voir ce qu'il cache à ce donjon. Enfin, cette espèce de donjon, ce qui ressemblerait à un donjon. Ce qui serait potentiellement un donjon. Je ne sais pas à quoi c'est, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il y a des piques, il y a de la stone brick et c'est pas moi qui l'ai mise. Enfin, je ne pense pas. Moi, que je sois vraiment con, et que je me souviens vraiment pas d'être passé par ici, mais. Ouh. Ben, disons, ça ne ressemble pas tellement à un donjon. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Tout vient rien. En fait, je crois qu'il y a rien. Pose-moi une putain de torche. Ça va, tu vas te calmer, que t'es d'insultes. Non, pose une putain de torche. Wow. Me faites pas chier, c'est ma vidéo. C'est le mec qui prend en couille. Bon, là, du fer. Oh, ça peut être utile, surtout pour l'enclume. Hein. Honnêtement, après, le fer, il va pas nous servir. Hein. Plus que ça. Ok, c'est super sympa. Tu prends un autre chemin, normalement? J'ai un peu perdu là. Boucher cette eau. Eau malfaisante. Du fer, du fer, du fer. Ah, c'était génial, franchement. Ce chemin, c'était la révélation de ma vie, quoi. Il n'y avait rien en fait. Quelqu'un m'explique pourquoi il y avait. Pourquoi on entend des squelettes? Y a-t-il des pierres ici dans ce golf? Je vais les poser. Bon, écoute. Pourquoi y avait-il des pierres ici? Je ne sais pas. On ne le saura sûrement jamais. Peut-être de la lave. Ouais, soit que ça comme explication. Bon. Merde, on est venu par où, nous, déjà? Oh putain, le con. J'ai perdu le fil. Ça doit être par là. Merde, mais où est-ce que c'est notre putain d'entrée? Oh fuck, putain, je me rappelle plus. On pourrait pas avoir un stérile halte supre pour faire retour. Ah, c'est là. Économie, économie, économie. Je rêve, on entend vraiment des PNJ. Peut-être Herobrine. Pour ceux qui connaissent pas Herobrine, Herobrine, c'est un personnage de Steve. Donc, de base de Minecraft, mais en... ah oui, je me rappelle, vous allez me dire what the fuck pourquoi on descend, mais en version méchant avec des yeux brillants, c'est un truc mythique de Minecraft en gros. Personne ne sait jamais pourquoi il est, personne n'a jamais su pourquoi Herobrine était là en fait, mais il est là, il est dans le jeu, donc on sait pas pourquoi, mais il est dans le jeu, et c'est un espèce de personnage pas maléfique, mais. Voilà, ouais, un truc comme ça. Bon. Nous voilà à la couche 11. Du coup, on va partir miner par ici. Tiens, pour se rappeler qu'ici, c'est la salle principale, on va quand même miner une salle ici. Miner une salle ici. Ouais, c'est pas mal, miner une salle ici. Ouais, hop. Comme ça. 3 sur 3. Comme ça. Hop. 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 Voilà. Voilà, comme ça, si on veut, on fera partir un tunnel d'ici. Et pour se rappeler que c'est vraiment la salle de base, on se pose une table de craft et on craft deux fours, voire plus. Voilà, et on craft un crochet. Voilà, qu'on a un truc, je crois que ça coûtait du fer, je crois que je suis con. Bon, c'est pas grave. Et du coup, on reprend notre table de craft parce qu'on a un radin. On met les fours pour cuire le fer. Et voilà. Hop, et donc pour en revenir à Herobrine, parce que je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent pas, je pense qu'il y en a également beaucoup qui connaissent.
Herobrine, donc c'est un truc mythique de Minecraft. Si vous connaissez pas, renseignez-vous, hein, c'est pas forcément une vidéo pour en parler, mais si vous connaissez pas, bah, c'est dommage, parce que c'est un truc vraiment mythique de Minecraft, et voilà, c'est un personnage mythique, Herobrine, c'est Herobrine, quoi. C'est Herobrine. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est Herobrine. Faut connaître, faut connaître. Vous croyez que je suis bête ou quoi? Non, Herobrine, c'est vraiment le personnage flippant, fantôme, comme tu veux, de Minecraft, quoi. Il y en a beaucoup qui connaissent pas, hein. Mais il faut connaître les gars, parce que je vous dis, ou les filles d'ailleurs, ce que je vous dis, c'est vraiment un truc emblématique dans Minecraft. Minecraft PO également d'ailleurs. Il paraît que si tu tends un fil, ça marche. Ça c'est pour activer les taux. Système. Pourquoi je fais ça? Pute! Pourquoi je fais ça? Je ne sais pas. On perd du temps de vidéo, mais. Au moins, je saurais que c'est par ici. Depuis qu'ils ont mis ça dans Minecraft, c'est génial. C'est même mis sur Minecraft PE. Bref. Et donc, du coup, ouais, ils ont dû rajouter la redstone, je pense. Putain, on a perdu du temps pour rien avec mes conneries. Bon, c'est pas grave. Je minerai un tout petit peu en off. Un tout petit peu, hein. Mais bon, de toute façon, on va encore miner pendant au moins. Allez, ceux qui ça fait chier de m'entendre parler, les gars, vous avez pas fini, hein. Ceux qui ça fait chier de m'entendre parler, vous pouvez au moins sauter 5-6 épisodes, hein, parce que là, ça va être que du minage pendant 5-6 épisodes, hein. Sans déconner, hein. À Paris, je suis désolé, mais là, faut qu'on fasse des ressources. Si on fait pas un stuff, on est mort, hein. Herobrine, il va nous choper, non. Les meubles vont nous choper, ils vont nous bouillir à chaque fois, hein. Moi, je suis obligé, moi, je peux pas, hein. Moi, je peux pas rester sans stuff. Donc, il y a. En épisode combien là? 4, quoi. Ouais, bon, jusqu'à l'épisode 10, sûrement, ça va être au moins du minage, quoi. Ouais, je pense jusqu'à l'épisode 10, il y a moyen que ce soit du minage. Et alors, je connais la technique avec la torche, hein, c'est-à-dire de poser une torche en dessous d'un bloc de gravier pour que voilà. J'ai tellement la flemme de le faire. Vous voyez, c'est sympa comme technique, hein. Mais bon. Ouais, bon, bref. Ah, ils sont chiants avec leur gravier. Ça, c'est le truc le plus casse-couille des miniers de Minecraft avec le sable. Putain, gravier, 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 puis ça fait chier, ça se stack dans votre putain d'inventaire. On s'en fout du gravier. Pas utile le gravier. Bon, ça sera toujours utile pour faire des sticks, mais. Oh, encore du gravier. Pour faire des flints, ça sera utile. Pour faire de la déco, ça sera utile, mais à part ça, c'est pas utile, putain. Gravier, 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 gravier. Gravier, gravier. Alors je nique ma pièce, je m'en fous. J'ai la flemme de changer de d'outil, hein. C'est bon. Gravier, gravier, putain, gravier, 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 c'est bon, la gravier, gravier, gravier. Hein, tout à l'heure c'est des araignées, maintenant c'est des graviers, ils font tous chier, putain. Pute! C'est de la dirt. Bon. Putain, mais il y a même de la dirt maintenant, ça casse les couilles ça aussi, la dirt, j'aime pas ça. Oh, de l'or. Eh ben, il aurait pas pu nous donner du diamant, le con là? Bon, c'est toujours ça, on passe plein, non? Ce sera toujours ça de quoi faire une pomme d'œuf. Oh, moi, il y a des ressources, je suis content, mais bon. L'or, c'est pas le truc le plus utile au monde. Enfin, bon. Bref, toujours ça, toujours ça, toujours ça. On va pas cracher dessus, ça fera de la déco au pire des cas. De toute façon, on reproduira peut-être une mine ou une connerie comme ça dans une base quand elle sera faite. Donc, hein, l'or, ça peut toujours être utile pour faire une mine. Voilà. Hein, le mec qui voit le côté positif des choses. Ouais, c'est bien. Bon, on va jusqu'à la bout de cette pioche et on arrêtera l'épisode. Donc, d'ici 6 minutes, je pense que ce sera bon. On demande vraiment qu'on trouve un filon de diamant ou. Ou je sais pas, ça passe un truc exceptionnel, ça m'étonnerait beaucoup, hein. Un filon de diamant. D'ailleurs, les légendes disent que Herobrine, c'est soit un erreur de codage dans Minecraft, ce serait le frère de Notch, le créateur de Minecraft, qui serait mort et donc il l'a implanté dedans. D'ailleurs, voilà, ou bien il y en a qui disent, bon, des légendes dessus, comme quoi ce sera un. Il aurait été créé parce que ça aurait été un mineur qui aurait été aveuglé par une mine de diamants ou un espèce de fantôme de Steve qui reviendrait parce qu'il a été tué par des monstres ou une connerie comme ça. Rien que de le dire, j'ai des frissons. Et Notch, il a toujours, d'ailleurs, Notch et Mojang, le studio de qui a créé Minecraft, Mojang, hein, pour ceux qui ne savent pas, ont toujours nié qu'Herobrine existait. Pourtant, dans des versions de Minecraft, quand vous regardez sur certaines versions historiques des sources sur le wiki de Minecraft, le wiki officiel, hein, le wiki créé par Mojang, bah, dans une version qui date d'il y a plusieurs années,
C'est marqué que les versions, c'est-à-dire quand ils font des corrections, etc., de bugs, etc. Dans les corrections de bugs, t'es marqué sup, ou enfin, un truc qui veut dire supprime en anglais, Herobrine. Supprimer ou modifier ou effacer, je sais plus si c'était le mot exact. Enfin bref, donc c'est assez. Assez bizarre. Bon, je mettrai pas comme titre dans cette vidéo Minecraft PE Herobrine, parce que sinon ça fera un vieux titre lécheur et il y aura beaucoup de gens qui vont ronger pour le titre. J'ai une araignée dans ma chambre, je viens de l'écraser. Putain, parle d'araignée. Ça pue. Je déteste ces bestioles, je déteste ces bestioles. Je déteste vraiment. Je déteste vraiment. Bon, on est marre de miner du gravier, on se retrouve dans le prochain épisode pour miner du gravier, parce que vu qu'on est des mineurs de gravier, voilà, on a marre du gravier, donc bon, allez. Les gens, moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Si vous lancez en plus sur Herobrine, bah, Herobrine, renseignez-vous, puis voilà. Moi je vous dis à la prochaine, allez, bye les gens.